Coucou à tous, nous sommes dans la voiture parce que nous allons aujourd'hui à Maastricht. On va voir le marché aux tissus à Maastricht et si vous avez envie de suivre nos aventures, c'est maintenant. Et nous voilà à Maastricht. Voilà, on se dirige vers le marché. Et on va vous montrer un petit peu le marché des tissus. Il n'y a pas que des tissus d'ailleurs, il y a aussi du poisson, du fromage, il y a plein de bonnes choses. C'est 1 euro, c'est pas cher. Et puis là, ce sont des 2,50 euros le mètre, les tissus, c'est super intéressant. Et aussi tout ce qu'il faut pour l'ameublement, c'est incroyable, il y a vraiment de tout. Toutes sortes de tissus. Vas-y. Maintenant, le moment tant attendu, on regarde les tissus. Ici, on est sur un marchand qui ne vend que des coupons de 1,40 m sur 1,40 m. Et donc là, c'est du French Terry à 12 euros pour 1,40 m. Anouchka essaye de voir quel bol Borco tirait le mieux avec le tissu qu'elle a choisi. Pas facile de savoir. Puis on va choisir un autre pour sa petite sœur. C'est de l'Alpenfleece. Il est à 12 euros pour 1,40 m, ce qui n'est pas très cher pour la qualité du tissu. Petit plaisir de Maastricht, c'est aussi les fish and chips que l'on prend sur le marché. Donc c'est du poisson frit avec une petite sauce. C'est bon, Anouchka? Ici, c'est des beaux tissus, des panneaux. Magnifique, on adore avec Anouchka. On ne peut pas tout acheter malheureusement. Regardez ça, la beauté de ce tissu. Je ne sais même pas combien il coûte, mais c'est magnifique. C'est splendide. Ouais, c'est splendide. Et là, c'est artistique, magnifique. Donc, splendide. Regardez ça, la beauté, mais c'est splendide, c'est magnifique. Voilà, on fait une petite pause, on se prend un petit verre avant d'aller chercher le poisson et de rentrer à la maison. J'espère que ça vous plaît, nos petites aventures à Maastricht. Santé! Voilà, on vient de rentrer de Maastricht avec ma grande fille qui est super contente de participer à la vidéo. Et voilà ce que l'on a acheté. Donc j'ai acheté un tissu un peu gaufré comme ça, c'était 9 euros, c'était au fameux marchand. En fait, j'ai tout acheté finalement au fameux marchand qui vendait les coupons parce que je trouve que les tissus sont juste magnifiques. Donc j'avais des coups de cœur tout le temps. Et donc j'ai acheté ce tissu gaufré rose pâle ce coton qui ira avec, c'est pour faire, je ne vous dis pas quoi, je vous montrerai plus tard dans un des prochains bilans couture. Alors on a acheté ceci aussi, donc ça c'est elle qui avait choisi. C'est le fameux Alpenfleece qui était à 12 euros pour 1,40 m. Et donc la laisse est de 1,40 m. Donc voilà. Et alors on a choisi aussi celui-ci. C'est pas de l'Alpenfleece, mais c'est à l'intérieur c'est du polar. C'est donc, je vais le mettre peut-être plus à l'endroit, c'est mieux. Voilà, qui est rose et
et un peu moutarde, avec des fleurs jaunes moutarde. Il est super beau, super doux. On sent que c'est vraiment de la qualité, quoi. Et c'est 12 euros aussi. Et celui-ci, c'était 8 euros pour 1m40. Donc, tous les coupons font 1m40 de long. Et alors, j'ai racheté des petites pinces. Parce que c'était 2,50€ pour 10 pinces. Et alors, j'ai racheté du fil. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais on verra. Hein. Et c'est du fil, donc voilà, celui-là, il ira avec ça. Celui-là, avec ça. Et ça, c'est parce que j'ai un tissu vert d'eau et je n'ai plus de fil comme ça. Et donc, voilà, c'est du fil. C'était 3 bobines pour 5 euros. Donc, c'est rien du tout. Et alors, j'ai acheté en plus, il me fallait une fermeture invisible jaune moutarde parce que je suis en train de me faire un pantalon jaune moutarde. Et elle est réglable, vous voyez. On peut la mettre à la longueur qu'on veut, 22 cm. Et ça, je l'ai payé 1 euro. Donc, honnêtement, c'est quand même vachement intéressant. Et puis, en plus, le moment qu'on a passé, on a eu super bon. C'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Si vous habitez pas loin de Maastricht, que vous ne connaissez pas, il y en a beaucoup qui connaissent évidemment dans notre région, n'hésitez vraiment pas à y aller. J'espère que vous me voyez. N'hésitez pas à y aller parce que c'est hyper agréable de se promener. C'est un marché vraiment super chouette. Tous les marchands parlent français. Hein. Si vous ne parlez pas néerlandais, il n'y a pas de souci. Et puis, on a aussi acheté du fromage, on a acheté du poisson, ben ça, je ne vais pas vous montrer, mais ben voilà, on a vraiment eu un bon moment, toutes les deux, petite excursion super sympa. Voilà, donc, on va se remettre à la couture. Entre-temps, j'ai été chez le coiffeur, voilà, j'ai coupé 37 cm de cheveux. Ça me fait tout bizarre, mais je suis contente, j'en avais besoin. Et j'ai fait le don pour la Fondation contre le cancer, voilà. Enfin bon, ça n'a rien à voir, mais bon. Et donc voilà, je vais commencer par, je vais faire les pantalons dont je vous parlais. Je vais commencer par surfiler tout ce que je dois surfiler. Donc voilà, on peut un petit peu papoter pendant ce temps-là. Je vais d'abord faire ma canette. Donc pendant que je surfile, je voulais vous redonner quelques petites précisions sur le marché à Maastricht. C'est un marché qui se fait tous les vendredis matin. Ils y vendent du poisson, des tissus, du fromage hollandais, notamment du gouda, tout ce qui est forme de gouda. Des fleurs, beaucoup de fleurs. Les Hollandais sont aussi fort spécialisés là-dedans. Et donc, si vous êtes de passage à Liège, en Belgique, c'est vraiment pas très loin, donc il faut vraiment pas hésiter à faire la boucle, c'est 20 minutes de Liège. N'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Donc je continue mon surfilage. J'ai un peu de mal à parler en même temps. J'hésite à m'acheter quand même une surjeteuse parce que comme je couds de plus en plus, je me dis que ce serait quand même pas un mauvais investissement. Quand on coud une ou deux fois par an, je vois pas trop l'intérêt, mais ici, je couds vraiment de plus en plus et j'ai l'impression que ça me faciliterait la vie. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me pose vraiment de plus en plus la question. Je vous disais que je cousais le pantalon Saiko, je suis déjà en train de refaire une canette. Le pantalon Saiki, c'est d'une créatrice qui s'appelle Yvonne Soufflet, peut-être que vous connaissez, qui est vraiment une super, super, super créatrice. C'est-à-dire que moi, tous les patrons que j'ai achetés chez elle, j'ai jamais eu de problème de compréhension. C'est super bien expliqué à chaque fois. Les modèles sont très, très jolis. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, comment dire, j'enfile, j'ai fini ma canette. Vraiment, ici par exemple, j'ai un pantalon, enfin le pantalon Saiki, qui est un pantalon de base. Il y a moyen de faire vraiment beaucoup de modèles avec ce pantalon-là, modèle élastiqué, modèle avec ceinture ajustée, modèle court, modèle long, modèle shirt. Et en fait, elle vous apprend des techniques aussi. En fait, elle ne vous donne pas le patron de
voilà, vous avez le patron qui se décline de telle façon, et vous faites comme ça, vous suivez. Non, elle vous apprend à vous-même aussi hacker quelque part son patron. Et ça, enfin, moi, j'ai appris beaucoup grâce à ces techniques à elle. Je disais donc, avant d'être interrompue pour la 25 000e fois par mes filles, qu'elle vous apprend vraiment des techniques. Et moi, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Donc, ici, par exemple, en l'occurrence, je vous montre, voilà, c'est ce pantalon-ci que je fais. Vous voyez qu'il y a pas mal de sortes déjà sur les modèles, mais vous apprenez vraiment à... Enfin, vous pouvez mettre une poche là, ne pas mettre les poches. Vous verrez, je fais deux pantalons, je ne les fais pas hyper différents. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce mode, c'est cette coupe-là. J'aime pas trop les pantalons qui se resserrent vers le bas parce que je n'aime pas sur moi. Mais, enfin voilà, honnêtement, si vous cherchez un modèle de pantalon, ce pantalon-là, moi, je l'adore. Enfin, vous verrez quand je l'aurai fini, si je le réussis. On n'est jamais à l'abri. Hein. Je vous le montrerai porté. Et vous pourrez voir un peu ce que ça donne. Je continue, hein, je continue mon travail. Voilà, nous sommes le soir maintenant et je vais commencer, j'ai tout surfilé tout à l'heure, je vais commencer à coudre les poches, donc je dois coudre le côté comme ça, c'est des poches italiennes. Voilà, les deux devant, avec les poches qui sont posées, je vais mettre des petites pinces et je vais les coudre. Et puis, bien entendu, repasser les coutures. Voilà, les poches sont cousues. Je ne sais pas si vous verrez bien. Parce que c'est bleu marine, donc c'est pas facile de montrer. Mais voilà, j'ai donc cousu les poches sur le devant de la jambe. Et puis, je vais coudre maintenant les deux extérieurs de jambe, les deux intérieurs. Puis, il faudra coudre la fourche. J'ai cousu, j'ai repassé à chaque fois. Et l'autre jambe, je n'ai cousu que l'intérieur de la jambe, c'est-à-dire l'endroit où il y a la fourche. Je serais censée normalement coudre l'autre partie pour mettre et m'arrêter à l'endroit repère pour mettre le zip invisible. Sauf que à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu un problème après, quand je mettais le zip après et que j'avais la partie cousue pour rejoindre, je ne tombais jamais juste. Ce que je vais faire alors maintenant, je vais coudre la fourche. De toute façon, ça ne change rien. Ensuite, je coudrai la ceinture, puis je poserai le zip et je coudrai l'autre jambe. Parce que sinon, je vais de nouveau avoir un décalage. Enfin, moi, je n'y arrive pas comme ça, donc je le fais autrement et ça se passe beaucoup mieux quand je le fais comme ça. Donc, je vais coudre les deux fourches, endroit contre endroit.
Ensuite, j'assemblerai la ceinture en haut, puis la tirette, et puis je fermerai la fin de la jambe et je ferai mes ourlets. Donc voilà, on va voir si j'ai pas trop perdu à ce niveau-là, parce que ce pantalon-là, je l'ai cousu il y a bien 2 ans. Donc voilà, je m'y mets. Voilà, je vais coudre la fourche, et pour coudre la fourche, j'utilise un point renforcé sur ma machine à coudre. Je vous montre lequel. C'est ce point-ci, le point numéro 1. Donc, au lieu de faire un simple point comme sur le zéro, ben, il coud 3 fois. Donc, c'est vraiment renforcé. Et c'est un peu mal comme ça d'avoir un souci. Parce que bon, c'est quand même au niveau des fesses, etc. Et quand on s'assied, on risque de craquer les pantalons. Hein, donc, je préfère être sûre de mon coup. Donc, voilà, il est mis. Je ne vais pas faire trop serré. Et c'est parti. Donc, comme je vous avais dit, j'ai cousu la fourche, voyez. J'ai cousu, ben, vous savez ce que j'avais oublié de coudre. J'avais oublié de coudre les petites poches que je voulais mettre derrière. Donc, j'ai cousu les petites poches derrière. J'ai fait des poches carrées comme ça. J'ai fait les passants que j'ai rentrés dans la ceinture. Enfin, je les ai pris en sandwich dans la ceinture. Et donc maintenant, je vais coudre la deuxième partie de la ceinture, puis je coudrai la tirette, et puis je coudrai la fameuse jambe qui me reste à coudre. Voilà. Donc voilà actuellement ce que cela donne. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a un drôle de lumière derrière moi. Ouais, on va faire comme ça plutôt. Donc voilà, il y a les passants ici. Il y a les poches, là. Ça commence à ressembler à un pantalon. Et puis, il faudra que je fasse l'ourlet aussi. Voilà. Donc, voilà. Je vais maintenant coudre la ceinture et la tirette. Et au fait, pour la tirette, la fermeture invisible, j'ai découvert, mais tout le monde connaissait déjà, mais moi, évidemment pas, qu'il y avait un pied de biche spécial pour fermeture invisible que je n'ai jamais utilisé, mais que j'ai. Donc, on testera ça ensemble. Donc voilà, je vais piquer ma fermeture éclair. Et vous voyez, j'ai ce pied de biche un peu particulier, derrière lequel il y a un genre de rainure. Et je vais devoir glisser la fermeture dans la rainure. Et apparemment, ça tient le zip écarté. Parce que moi, je le faisais avec mon doigt, avec l'autre pied de biche pour fermeture éclair. Mais c'était vraiment pas facile. Bon, ben, je vais tester. C'est la première fois que je le fais. Ça va peut-être être foireux. On va voir. Donc, j'ai mon zip. Je vais mettre le pied de biche. Là. Et donc, je dois mettre apparemment. Donc, je vais écarter. Tenter de mettre le pied de biche dans. Faire passer les dents de la tirette dans la rainure. Regardez, je vais vous montrer plus près, j'espère que vous verrez que c'est dans la rainure. Voilà. Et on va essayer de piquer comme ça, je vais aller hyper doucement, je vais faire pas trop. Je vais mettre à 3 comme ça. Ça me stresse un peu, j'espère que je vais y arriver. Faire doucement. Hein. Je sais pas si ça va marcher, je le sens pas. Hein.
Voilà, donc ça a plutôt bien fonctionné, sauf à un endroit où j'ai piqué dans... Ça ne s'est pas bien mis, voyez ici. Voilà, j'ai piqué dans les dents, donc je vais devoir découdre cet endroit-là. Mais autrement, partout, c'est nickel. Ah non, il y a peut-être là. Non, non, c'est bon. Donc voilà, je vous montre le résultat final après, mais en fait, ce pied, il est vraiment pas mal, en fait. Voilà, la fermeture éclair invisible est vraiment invisible. Elle est super bien placée. Il y a juste de nouveau un décalage entre cette ligne-là et celle de l'autre côté, mais je comprends pas. Si quelqu'un sait m'expliquer comment je fais pour ne pas y arriver, ça m'arrangerait. Et alors, il me reste plus qu'à coudre la ceinture, à faire l'ourlet et il sera fini. Donc, on se retrouve pour le résultat final. Voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis contente, j'ai un nouveau pantalon. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît. Et je vous souhaite à tous un joyeux mois d'août sous le soleil.